Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Karine Bertrand et je suis professeure associée à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. J'aimerais d'abord commencer par remercier Ursula Moser pour son invitation à parler de ma recherche qui me passionne énormément. Et aussi, j'aimerais préciser qu'étant donné que j'enseigne à Kingston dans une langue anglophone, j'ai décidé de faire une présentation un peu bilingue, c'est-à-dire que je vais parler en français, mais les diapositives et l'information que vous allez voir ici est en anglais. J'aimerais aussi préciser que je me situe présentement en Outaouais, qui est un territoire traditionnel des Autochtones, des Anishinaabe algonquins, et qui font aussi partie de mes ancêtres. Alors, je travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur le cinéma autochtone et plus spécifiquement depuis les 5 dernières années sur le cinéma des femmes autochtones. Donc, pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce sujet? Eh bien, premièrement, parce que comme je l'ai mentionné au tout début, j'ai des origines autochtones du côté de mon grand-père maternel, Anishinaabe algonquin, et j'ai décidé de relier ma passion pour le cinéma et ma passion pour les cultures autochtones, mais aussi pour ma culture que j'apprends à redécouvrir à travers le cinéma, en étudiant, en recherchant et en enseignant le cinéma des femmes autochtones. Et lorsque j'ai commencé à étudier ce sujet, je me suis très vite aperçue que plus de 95% des films autochtones qui étaient réalisés au Canada ont été faits par des femmes autochtones. Comment peut-on expliquer cette situation? Eh bien, j'ai posé la question à plusieurs femmes autochtones, dont la cinéaste Mohawk Sonia Bonspiel-Boileau et la cinéaste Abénakise Kim Aubameyang-Sawin, et elles m'ont répondu que selon elles, à travers le cinéma, les femmes autochtones ne font que perpétuer un rôle qu'elles jouaient déjà traditionnellement dans leur communauté, c'est-à-dire un rôle de pédagogue, d'enseignant, un rôle de transmetteur des connaissances traditionnelles, un rôle de guérisseur aussi, de la personne qui nourrit et qui aide la communauté à guérir de ses blessures. Traditionnellement, il y a beaucoup de femmes autochtones dans plusieurs nations qui jouent un rôle au niveau politique et économique. Alors, à ce moment-là, aujourd'hui, le cinéma devient un outil supplémentaire pour continuer ces rôles traditionnels. Et deuxième élément dont je voulais parler de ma recherche, est un projet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je travaille depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et c'est une collaboration avec un collectif de femmes cinéastes inuites qui s'appelle Arnaït Video Productions et qui sont situées au Nunavut sur une toute petite île qui s'appelle Igloolik. Alors, à l'Université Queen's, présentement, nous sommes un peu les gardiens de l'archive d'Arnaït, c'est-à-dire au-dessus de 400 documents audiovisuels, des entrevues, des films, des découpages, des arbres intergénérationnels sur papier, donc une très grande quantité de documents audiovisuels et papier qui font partie de l'archive d'Arnaït. Et nous, notre rôle, c'est de travailler en collaboration très intime avec le collectif, avec les aînés, avec aussi Marie-Hélène Cousineau, qui est une cinéaste québécoise, qui est la cofondatrice d'Arnaït, pour garder cette archive vivante, pour numériser aussi les films qui sont sur Betacam, c'est-à-dire, ou dans d'autres formats et qui ont besoin d'être numérisés, remédiés, sauvegardés, gardés dans un endroit sécuritaire, mais aussi on veut leur donner une seconde vie où on veut les aider à continuer de vivre et d'être reconnus par le public, que ce soit par la communauté à Igloolik, par d'autres communautés inuites ou autochtones ou par des non-autochtones. Alors, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Présentement, on travaille très fort pour traduire les documents qui sont là, qui sont soit en français ou en anglais, afin qu'ils puissent être disponibles en Inuktitut pour les gens de la communauté qui ne parlent ni l'anglais ni le français.
Alors, pour revenir un peu au sujet du cinéma des femmes autochtones, tel que j'avais commencé à en parler il y a quelques minutes, pourquoi travailler sur ce cinéma-là? Pourquoi c'est si important ce que font les femmes cinéastes autochtones aujourd'hui? Bien, premièrement, parce qu'il existe au Canada une crise majeure en ce qui concerne la disparition et l'assassinat des femmes autochtones. Les statistiques sont désolantes. On voit que ces femmes sont 3 fois, 4 fois, 5 fois plus aptes à être les victimes de crimes qui sont perpétués contre elles. Bien souvent aussi, elles sont les victimes de stéréotypes qui ont souvent rien à voir avec leur mode de vie ou avec qui elles sont. Donc, pourquoi les femmes disparaissent, pourquoi elles sont tuées? Bien, ce sont des conséquences du colonialisme. Et je dois dire aussi que, selon moi, Hollywood a joué un rôle avec la perpétuation de stéréotypes associés à la femme autochtone. Même avant l'arrivée du cinéma hollywoodien, déjà, il y avait cette image de la femme autochtone dans les Amériques et aux États-Unis où elle représentait le symbole d'une terre à conquérir. Donc, conquérir le corps d'une femme autochtone signifiait conquérir le territoire américain. Avec l'arrivée du cinéma hollywoodien et du western, eh bien là, on a vu l'image de la femme autochtone vraiment perpétuée selon une image sexualisée de son corps, de son être, où on avait aussi cette princesse indienne à la Pocahontas qui tombait en amour avec un blanc, qui trahissait sa communauté et qui finissait par mourir à cause de cet acte. Alors, ce n'est pas seulement au tout début du cinéma ou avant les années 60 que cette image a été perpétuée. Encore dans les années 2000, dans des films comme Night at the Museum, New World de Terrence Malick, ou même dans le Disney, le Pocahontas de Disney, qui date des années 90, on voit encore ces stéréotypes qui sont perpétués. Alors moi, je voulais adresser cette question en étudiant le cinéma des femmes autochtones qui ont répondu à cette crise à travers plusieurs courts-métrages documentaires, quelques longs-métrages aussi, un long-métrage de fiction et une série télé que l'on peut voir sur le réseau APTN, donc le Aboriginal People's Television Network, qui s'appelle Princesses. Et dans Princesses, on répond à ce stéréotype de la princesse indienne et on explique ce que veut dire pour les femmes autochtones aujourd'hui ce concept de beauté. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme autochtone dans les années 2000? Ça veut dire être forte, être résiliente, être créative, avoir aussi des convictions et être très militante pour plusieurs sujets. Une autre dimension qui m'intéresse particulièrement lorsqu'on étudie le cinéma autochtone, c'est la remédiation de la tradition orale à l'écran. Et un des éléments de la tradition orale, bien sûr, c'est le témoignage et les histoires personnelles que ces femmes-là vont raconter. Et même si ce sont des histoires individuelles, leur propre expérience de vie, ce sont des expériences qui vont vraiment refléter à un plus large niveau ce que la communauté va vivre et ce que d'autres femmes vont vivre elles aussi à cause des conséquences de la colonisation. Donc des thèmes comme la recherche d'identité, la réappropriation culturelle, les problèmes de violence aussi dans et à l'extérieur des communautés, la relation à la famille, la relation au langage et aux aînés. Et cette tentative de se reconnecter au territoire, de se reconnecter aux enseignements traditionnels, sont tous des éléments qui sont très, très présents dans ces films. Je vais vous donner un exemple. Une jeune cinéaste qui fait partie de ce que j'appelle la nouvelle génération de femmes cinéastes autochtones, Amanda Strong, elle se spécialise dans le cinéma d'animation, le stop motion animation, qu'on appelle en anglais.
Donc, elle va créer de toutes pièces des centaines et des centaines de petits morceaux, des petites marionnettes, et elle va raconter différentes histoires, toujours en lien avec la colonisation et avec sa culture. Dans Four Faces of the Moon, Amanda va raconter l'histoire de sa famille métisse, qui est aussi l'histoire de plusieurs familles métisses de l'Ouest qui ont été dépossédées de leur territoire et où le bison a été tué sans merci. Donc, il y a eu des famines et où l'histoire a été un peu perdue, hein, l'histoire et l'identité autochtone. Donc, Amanda va utiliser l'animation et énormément de créativité pour nous raconter ce qu'elle a vécu, elle, en recherchant dans l'histoire de sa famille et en essayant de se reconnecter aussi à sa culture. Une autre cinéaste extraordinaire. Et on a eu l'immense joie de l'accueillir à Queens comme artiste invitée il y a quelques années. C'est l'Anishinaabe Lisa Jackson. Alors, un peu à la façon d'Amanda Strong, Lisa Jackson a utilisé l'animation, mais aussi le documentaire comme tel pour raconter l'histoire de sa famille. Donc, comment elle a été enlevée de sa mère à un très jeune âge. À un très jeune âge, comment elle n'a pas grandi du tout dans une communauté. Alors, c'est toute cette relation à son identité et cette volonté aussi de savoir d'où elle vient, qui elle est, mais aussi que d'être autochtone, ça ne signifie pas seulement être une victime des pensionnats ou avoir vécu toutes ces blessures, ça signifie beaucoup plus que cela. Et c'est ce que Lisa Jackson nous partage dans son film Suckerfish. Je ne peux parler de cinéma de femmes autochtones sans mentionner le concept de féminisme, qui est un concept que j'utilise beaucoup dans mes cours. Donc, le mot féminisme autochtone est un mot qui est controversé. Certaines militantes autochtones vont refuser d'utiliser ce mot parce qu'elles disent qu'il est beaucoup trop blanc, alors que d'autres l'ont adopté et l'ont autochtonisé. Alors, ils lui ont donné une définition qui convient davantage aux valeurs autochtones, à l'histoire autochtone, à la cosmogonie et aussi au fait que dans plusieurs communautés autochtones, chez plusieurs nations, tout est un peu féminin. Donc, c'est un peu redondant d'utiliser le mot féminisme. J'aime beaucoup une citation d'Alanis Obomsawin. En fait, on peut la retrouver au tout début de son film Mother of Many Children, qui est un documentaire sur la beauté et la splendeur des femmes autochtones, qui a été réalisé en 1977. Et au tout début de son documentaire, elle dit que finalement, there is no he or she in our language. Il n'y a pas de il ou de elle dans notre langage. Nous sommes tous les enfants de la mère. Et ça signifie qu'il y a aussi une toute autre relation au genre dans plusieurs communautés autochtones. Et quand je dis dans plusieurs, ce que j'essaie de signifier ici, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que toutes les communautés sont homogènes, toutes les na nations fonctionnent de la même façon et qu'ils ont toutes la même manière de voir le concept de genre et de sexualité, par exemple. Alors, ce sont des débats qui sont très animés en classe et c'est intéressant de voir aussi les points de vue divergents d'une femme autochtone à l'autre, d'une cinéaste à l'autre. Et je crois que alors que pour Alanis Obomsawin, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle travaillait pour toute la famille, pour toutes les nations. Donc, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, pour les enfants, pour tous les autochtones. Et donc, pour elle, le mot féminisme n'arrivait pas à englober ou à envelopper toute cette grande famille pour qui elle travaille. Alors, étant donné que le concept de féminisme, comme j'ai dit, ne fait pas l'unanimité, j'ai décidé d'utiliser un autre concept auquel j'ai pensé, qui est le concept du féminin sacré. Et qui est une esthétique, je crois, que l'on retrouve dans plusieurs des films qui sont faits par des cinéastes autochtones.
Qu'est-ce que ça veut dire le concept du féminin sacré, c'est-à-dire d'honorer la femme qui va bien souvent être un personnage principal, un personnage très central et très fort dans plusieurs des films qui sont faits par des cinéastes autochtones femmes. Ensuite, ce sont des films aussi qui vont privilégier le témoignage, les histoires personnelles et qui vont vraiment mettre de l'avant des solutions pour contrer ces problèmes. Bien souvent aussi, on va voir l'importance du territoire, donc cette connexion-là entre la femme et la rivière, la femme et la terre et le territoire. Le rythme va être peut-être un peu plus lent. Bien souvent, si le film n'est pas fait dans une langue autochtone, il va quand même y avoir des éléments de la langue et plusieurs éléments de la culture qui vont être présents. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive et ces critères ne s'appliquent pas à tous les films qui sont faits par des cinéastes autochtones, mais j'ai remarqué que ça revenait d'un film à l'autre quand même particulièrement. Et la dernière dimension que j'aimerais parler et qui a trait aux femmes autochtones est la dimension poétique de leur œuvre. Alors ici, il y a un court-métrage qui a été fait dans le cadre d'un atelier où des Inuits du Nunavut ont été initiés à l'art de l'animation. Et ça a donné des créations absolument extraordinaires. Ça date de 2010-2012 environ et c'est disponible sur le site de l'ONF, donc de l'Office national du film du Canada. Et un de ces courts-métrages qui m'a beaucoup marqué s'intitule I Am But a Little Woman, qui a été fait par JUO. Et dans ce film-là, je crois qu'elle représente à merveille ce que j'entends lorsque je parle de l'esthétique du féminin sacré. C'est-à-dire qu'il y a un rythme beaucoup plus lent. On voit la relation entre une mère et une fille, et tout ça est fait par animation. Et c'est la remédiation aussi d'un poème inuit à l'écran, mais on n'entend pas les mots. On va entendre des chants inuits. Mais ce sont vraiment les images, donc visuellement, que le poème va être représenté. Et c'est une œuvre absolument extraordinaire. Donc, je pourrais continuer de parler encore pendant plusieurs minutes et probablement plusieurs heures de ce cinéma extraordinaire qui est fait par les femmes autochtones, que ce soit une génération, disons, un peu plus éloignée, comme celle d'Alanis Obomsawin et de Loretta Todd, ou de cette nouvelle génération effervescente de jeunes cinéastes dont font partie Amanda Strong, Lisa Jackson, Elmaya Telfeathers, Sonia Bonspiel-Boileau et Caroline Monet, et aussi Alethea Arnacuc-Barry, et qui nous offre des œuvres spectaculaires. Donc, je vous invite tous à regarder ces œuvres qui sont disponibles en ligne, soit sur le site du Wapikoni Mobile, où on peut voir des centaines de courts-métrages réalisés par des jeunes autochtones de partout à travers le Québec, mais aussi en Amérique du Sud et en Océanie. On trouve aussi une vaste sélection sur le site de l'ONF, de l'Office national du film du Canada. Et même juste en effectuant une recherche très simple sur Internet, vous allez pouvoir retrouver un grand nombre de ces titres. Alors, merci de m'avoir écouté et merci encore pour cette belle invitation qui m'a amenée à parler d'une recherche que j'aime passionnément.